Bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Hitrider, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, l'épisode 3 de la série du gameplay sur Clash of Clans. Alors je vous fais cette vidéo maintenant parce que là j'ai passé HDV5 et j'ai commencé la vidéo numéro 2 justement, je venais de passer HDV3 justement, et là j'ai vraiment maxé tous mes bâtiments, je peux plus rien faire à part je peux même plus améliorer ça. À part ces murs-là et à l'intérieur, je peux vraiment plus rien faire. Du coup, là, j'ai vraiment tout maxé, il me reste plus que ces deux trucs-là, mais j'aurai le temps de les faire après, vu que là, je peux stocker largement assez. Et du coup, regardez les canons 5, les mortiers 2, ça, je sais même plus si je l'avais au début de la vidéo. Ça. Défense anti-aérienne niveau 2, bon, pour l'instant ça me sert pas tellement à mon niveau, mais bon, autant en avoir un. Le labo 2, j'ai tout amélioré, là, je peux plus rien améliorer. Tous les camps d'entraînement, ils sont maxés. Les mines, ça c'est niveau 6 encore. Bon, c'est bizarre. Justement, du coup, hop, voilà. Je pensais pas qu'il y en avait encore une niveau 6. Du coup, voilà, après ça sera fait. Et voilà, du coup j'ai vraiment tout maxé. Ah bah d'ailleurs aussi j'ai monté mon château clan niveau 15. Alors ça devenait vraiment chiant de pas pouvoir recevoir des troupes. Enfin pas la plupart des troupes ça va au-dessus de 15. Genre les dragons et tout, c'est 20. Et en guerre c'est bien de m'avoir. Voilà, du coup le clan est un peu amélioré. On a fait 3 guerres. On a fait 4 guerres, 3 gagnées sur les 4. On a une petite. On a les règles en description. Voilà. Là, on y va sur les troupes. Après, il y a tout ça en bas. Bon, je comprends qu'ils donnent pas de troupes. Enfin, moi, je donne 500 troupes, je suis niveau 24. Après, c'est vrai que mes troupes sont pas extrêmement fortes. Voilà, on a recruté un peu. On va faire la prochaine. Ça sera une guerre à 15. Voilà, parce que là, notre guerre qui se déroule actuellement, c'est une guerre à 10, comme toutes celles qu'on a faites. Je sais pas si on va la gagner, mais mon frère a foiré sur le... Ah, 48%, dommage. S'il a fait une étoile, moi j'ai fait 2 étoiles avec mon premier compte. Là, ils ont bien géré sur le 8, le 6, 7, 8. Sinon, eux, ils ont pas attaqué tellement, mais ils ont fait 2-3 étoiles, du coup, ils ont avantagé un peu. Et voilà. Bon, je sais pas si on va gagner, mais bon. Du coup, on se retrouvera quand je pense avant que j'ai maxé mon HDV5, on va dire niveau 30, 34, 35. Ouais, ça me paraît bien. Bon, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et mettez un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao.